Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Kultent et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Labotron. Alors aujourd'hui, ça va être la première vidéo de ce type. En gros, ça va être tout simplement dans mon Discord Labotron, dont en principe vous avez le lien dans la description et que je vous ai donné pour la première fois dans la dernière vidéo, si j'ai mis dans l'ordre mes vidéos. Alors, tout simplement, ces genres de vidéos sont, en gros... Ok, je perds mes mots, c'est abusé. Vous allez me proposer des idées, enfin des défis, vous allez me poser des défis, et je vais essayer de les réaliser. Bon, je vais pas tous les faire, ceux qui me semblent les plus drôles, ceux qui seront les meilleurs pour YouTube, ou je ne sais quoi encore. Du coup, là-bas, on avait le laboratoire des tutoriels. Et bah, pour la première fois, on va descendre. On ne doit pas aller dans la zone de test radioactif, mais dans la chambre au command block. Il fait noir. Il fait moins noir. Voilà, du coup, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est que, déjà, je vais me give un command block, parce que j'en ai pas. Alors, command block... Voilà. Du coup, alors, l'idée consiste à faire tout simplement un robot qui va marcher tout seul, dans normalement, et qui pourra, je sais pas si je vais le faire ça parce que ça va être compliqué, mais qui pourra monter sur les dalles, qui pourra tomber. Si on le laisse tomber, il pourra tomber. Et qui pourra pas traverser les murs, qui pourra pas ouvrir les portes, ni passer sur les plaques de pression. Par exemple, s'il voit la plaque de pression devant lui, et ben il va pas marcher dessus. Du coup, donc je vais faire apparaître le petit cobaye et j'arrive tout de suite. Et bien voilà, ça y est. Tout simplement maintenant, si j'appuie sur ce petit bouton. Cobaye 1.0 et juste ici. Donc je vais juste prendre le truc, je vais le décaler pour voilà. On a Cobaye 1.0. Donc s'il meurt, ça sera le tour de Cobaye 1.1 et si je fais une grosse mise à jour, ce sera au tour de Cobaye 2.0. Voilà, cette voix était très étrange, je sais, mais je vois pas pourquoi je dis ça, mais je sais même pas pourquoi je parle vite, je ne sais plus pourquoi je suis. Voilà. Ceci était une phrase philosophique. Du coup, on a le petit armor stand. Et maintenant, on va vouloir faire en sorte à ce qu'il marche. Du coup, je vais prendre un command block. Et je vais le mettre en répétition, toujours actif. Du coup, je vais faire... Alors, j'ai oublié un truc là-dedans. Du coup, on va faire... Alors, oui. Virgule, tag, deux points, tac... Tac, tac, et on va l'appeler, alors je vais mettre cobaye 1, oula, je sais plus écrire, cobaye 1, voilà, terminé, du coup toi, tu meurs, bon, on ne pourra pas le tuer en survie, mais là on peut le tuer, 1.1, voilà, terminé, voilà, ah ouais, par contre ça va être relou ça. Voilà, on a cobaye 1.1 qui a le tag cobaye. Du coup, on va faire execute at @e plutôt. Donc toutes les entités qui auront pour tag égal cobaye. Pourquoi je sais plus écrire cobaye 1. Voilà, on va faire. Voilà, c'est tout. Donc il y aura en principe qu'une seule personne comme ça, mais au cas où on va rajouter type. Égal armor stand. Donc on veut que ce soit un armor stand qui est le tag cobaye 1. Ensuite on va faire run if surtout if block. Donc on l'a fait at, du coup c'est à partir de sa position à lui. Donc si le bloc, on va faire alors où est-ce que c'est là,
Donc, devant lui, donc on va faire 0,5, juste devant lui, si c'est... Alors, non, on va plutôt mettre unless. Unless. D'accord, j'ai mis un if, donc ça risque pas de marcher. If bloc, enfin unless bloc. Donc, si absolument c'est pas un bloc devant lui, et il faut pas que ce soit un bloc... Enfin, si c'est pas un bloc d'air, voilà, plutôt, j'ai mis deux espaces ici. Si c'est pas un bloc d'air, run tp @e type égal armor stand virgule tag égal cobaye 1 virgule, ouais, ça fait beaucoup, limite égale 1 virgule sort égale new rest. Voilà. Du coup, en principe, alors je n'ai pas fait ce TP. Run TP, oui, c'est bien ce que je me disais. Et maintenant, on va le faire ce TP directement. Alors, devant lui, du coup, on va remettre ça. Ouais, oula, j'en ai mis deux comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Wow! Voilà. On va le faire ce TP 0,1 devant lui. Du coup, là. C'est triste. Cobaye 1. Il a fait ça à tous ceux cobaye 1. Je vais essayer de trouver l'origine du problème. A tout de suite. Les gars. En fait, je crois que je suis juste idiot. Ça s'arrête là. J'ai mis unless. Du coup, ça veut dire si le bloc devant lui n'est pas de l'air. Et se trouve-t-il que ça marche toujours pas. Du coup, les gars. Alors, déjà, toi, tu crèves. Du coup, j'ai changé la commande. Je crois qu'il y avait un problème dans le tag. Du coup, maintenant, tu es là. Ça, je l'ai désactivé. Ne vous en faites pas. D'accord. Il monte. Oh, c'est presque ça, hein. Mais c'est pas ça. Bon, les gars. Du coup, en gros, j'ai fait en sorte à ce que si il a une rotation X qui est, je vous montre, hein, c'est juste là, facing, de point, south, voilà, si la rotation X est de 0, donc c'est le premier chiffre, de 0 à 89, et ben il va avancer par là. Donc, test, attention, oui, regardez-le avancer. Avance pas très vite, en plus il va tomber, c'est faux vu qu'il est TP, il a pas le temps de tomber. Ah bon, du coup, le problème c'est qu'il va pas assez rapidement faire comme ça, et en principe, il va s'arrêter dès qu'il va rencontrer un mur. Bon, après, je vais régler le problème que là il tombe pas. Hop, hop, si devant lui c'est plus un mur, il s'arrête, c'est faux. Il s'arrête si là où il est, il n'y a plus un mur. Ce qui est problématique. Très problématique. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, je sais d'où ça vient. J'ai mis si le bloc au-dessus de lui était de l'air. Seulement, il faut que ce soit le bloc qui soit devant lui et devant lui. Si là, ça, c'est ici. 0,5. En principe. Alors, cobaye 1,2, je vais devoir te tuer. Alors, on va préparer la commande slash kill @e type. Égale armor stand virgule distance égale point point 2 virgule tag égale cobaye 1. Voilà, là au moins crève. Du coup, on va juste modifier un truc. Bah non, en fait, c'est juste qu'il est mort, mais on va quand même du coup faire cobaye 1,3. Alors. Notre ami le cobaye avance. Tout, 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 tout. Peut-être que cette vidéo sera en deux vidéos, je sais pas, on verra si j'ai le temps ou pas. Hop. Mais! Espèce d'idiot. Alors, j'ai dû mettre peut-être le mauvais. Pourtant, j'ai mis X et c'était bel et bien Y. Tu m'étonnes. Et c'est positif, ouais. Du coup, c'est censé être bon. Tu dois crever toi aussi. Bon, 1,4.
Les tests s'enchaînent et se révèlent toujours aussi nuls. Bon, du coup. Tout 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 Attention. Oui. Excusez-moi. C'est-à-dire que je suis plutôt heureux, je pense que vous l'avez vu. Du coup, hâte. Voilà, et on va se rajouter un autre if. Là, on a mis un if block là. Et on va se rajouter if block qui est juste en dessous. Donc, on va faire les positions cette fois-ci, les coordonnées relatives. Du coup, moins 0.01, comme ça, il sera sur le sol, quoi. Et il faut que ce soit. Du coup, c'est unless, faut pas que ce soit de l'air. Unless, cette fois, c'est bien unless. Hein. Hop. R. On refait le test. Crève. Alors, du coup, au début, il est censé tomber et en sautant du truc, il est censé avancer. Ah, il y a le bouton. Le bouton qui a gêné. Tout, tout, tout. Ouais. Non, c'est nickel. Boum. Alors là, je peux vous dire que je suis fière. Bon, du coup, le problème, c'est que là, maintenant, bah, il n'avance plus. Du coup, on va se faire ça. Bon, là, il n'est pas censé avancer vu qu'il est là. Et on va se faire un execute. Hâte. Toujours ce type de personnage. Hop. Alors, du coup, si le bloc de devant n'est pas de l'air. Là, justement, ça va être ça. Unless bloc devant R. Voilà. Du coup, ça on s'en fout. C'est pas le TP, on va juste. Ouais. Run TP. Arrobase E, hop. Limite 1 score ni rest. On va tout simplement le TP sur 45. Alors, on va reprendre ça. D'accord. Ah non, là, faut mettre. C'est les coordonnées relatives, me semble-t-il. C'est faux. Ben, je vais voir où est le problème. Les gars, je suis très heureux. Regardez, en gros, il suffisait juste de mettre les coordonnées relatives. Et là, j'ai passé lui en toujours actif, d'abord lui, hein, ensuite lui, ensuite je peux les défaire. Et là, maintenant, là, il est bloqué, du coup, il fait juste demi-tour comme ça. Et il est tranquille, pépère. Oh les gars, mais c'est trop bien! Alors, du coup, là, vu qu'il y a un bouton, il va être bloqué. Et si par exemple, il y a la plaque de pression qui est juste devant lui, il va pas pouvoir passer dessus. Je vais vous montrer. Du coup, il va tourner, hop. Tourne de 45 degrés vu qu'il y a le bouton là-bas. Enfin, de 90, vu qu'il y a le bouton là-bas qui l'empêche. Du coup, hop, hop, ok, donc il va tourner comme ça. Hop. Voilà, et donc il pourra pas marcher sur les plaques de pression. N'assiste à une goutte nouvelle. Du coup, on va enlever tout ça. C'était de l'allemand, hein. Juste. Au cas où. Oh, il peut aussi marcher comme ça, je savais pas. J'ai même pas fait exprès. Bah écoutez. Alors du coup, bah nickel. Bon maintenant le problème c'est qu'il peut pas encore monter sur les dalles. S'il y a une dalle devant lui, il va l'esquiver. Je vous montre. Du coup là, il va faire machine arrière et il va esquiver cette dalle. Voilà, exactement de cette manière. Voilà. Du coup, après s'il y a rien autour dans la salle, il va faire des trucs plutôt aléatoires. Par exemple là, si je pose ça là. Hop, hop, vas-y. Hop, 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 voilà. Bon, on va laisser faire ses bêtises. Du coup, maintenant, on va faire en sorte à ce que si devant lui, il y a une plaque de pression, on va le TP juste à 0,5 blocs au-dessus de lui. Du coup, on va prendre ça, on va rajouter ça là. On va faire, du coup. Alors, après, il faudra faire pour. Je sais pas pourquoi j'ai rajouté X parce que là du coup ça fout le dawa. Où es-tu? Non, non, ça marche très bien.
Même s'il n'est pas sur X, bah, je sais pas. On va pas se poser de questions. Je vous propose. Ouais, du coup, juste là, on va se faire. Si le bloc devant lui n'est pas de l'air, mais par hasard, si c'était une slab. Hashtag slab, sinon ça le fait pas. Hashtag slab. Bzz, slab, slabs. Voilà, du coup, il faut que ce soit une slab qui soit juste une slab devant lui. Sauf qu'on va faire ça en. Non, là, je crois que c'est bon. Juste devant lui. Devant lui, il faut que ce soit une slab. Ouais. Du coup, hop. Si devant lui, il y a une slab, alors, ça, il faut aussi qu'au-dessus de lui, il n'y ait pas d'air. Enfin, qu'il y ait de l'air plutôt. If. Bloc. Alors, ça va être au-dessus. Du coup, ça va être. On va lui laisser deux blocs au-dessus de lui. Sinon, ça va pas le faire. Du coup, on va run TP ce petit bonhomme. À ses coordonnées devant lui, mais plus haut. En même temps, 0.1. Voilà. Ouais, de la même. Du coup, en principe, là, si il a une slab devant lui, il est censé bien réagir. Tout, tout, tout. Ah, d'accord. Non, il a tourné avant. Du coup, c'est problématique. Ah, non, rien. Du coup, alors, du coup, ouais, on va faire ça plus rapidement. S'il voit qu'il y a un bloc, là. On va le faire, voilà. Ça va être violent. D'accord. Bon, il a sauté là, on est d'accord, mais après il a tourné. Du coup, on va aussi le faire booster. Genre, il va faire un dash. Ouais, ça devient chelou, hein. Ah, mais il est entre deux voies. On va faire ça. Youhou! Ben là, c'est sûr qu'il a bien dashé. Ah, par contre, problème? Problème, problème. Il ne veut pas descendre. Pour quelle raison? Ouais, il veut pas descendre parce que devant lui, hop, là il veut bien. Ah, bah là il a descendu. Attends. D'accord. Bon, c'est un problème. Hein, je vais devoir le régler, mais je vois pas trop comment en fait. En fait, je l'aime bien le petit cobaye 1.5. Pour l'instant, il n'est pas encore mort le cobaye 1.5, mais il va bientôt mourir parce que. La mise à jour des dalles, ça équivaut à une grande mise à jour. Et du coup, il va être niveau 2.0. Ouais. Pauvre cobaye. Bon, j'essaie de régler ce problème tout de suite. A few moments later. Ok les gars. Du coup, notre petit cobaye 1.5 va passer maintenant en 0.5. Enfin 2.0 plutôt, parce que. Casse-toi. Parce que j'ai fini. Oui. Oui, enfin. Cobaye. Tout, tout, tout. 2.0. Si vous avez des. Aussi, j'ai oublié de préciser, hein, les commandes sont dans la description si vous voulez reproduire ça. Et bien sûr, si vous voulez. Enfin, en gros, si vous avez des suggestions pour mon petit cobaye, pour qu'il puisse, je sais pas, ouvrir les portes. Mais bon, là ça devient chelou. Après, vous pouvez plus le garder chez vous parce qu'il va vouloir s'échapper. Si vous voulez qu'il puisse, je sais pas, n'importe quoi, qu'il puisse faire quelque chose, bien sûr, et bah, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Et si c'est faisable, je vais essayer de le faire. Je dis bien essayer, hein. Du coup, maintenant, voilà. Cobaye 2.0, tu es là. Donc je vais le tuer, mais il va rester 2.0 parce que je vais lui faire faire des petits tests. Vas-y. Du coup, il répond à beaucoup de. Alors, du coup, là, on va prendre ça. Et on va lui faire monter des dalles et le faire tomber ensuite d'une hauteur de 3 blocs. Vous savez quoi? 4, c'est très bien. J'aime faire souffrir mes cobayes. Ne le saviez-vous donc pas avant? Et ça peut marcher avec n'importe quelle dalle, hein, j'ai pas précisé. Hop. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est long. Tout, 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 tout.
C'est sûr que pour être long, là, c'est long. Du coup, touc, non, touc, touc. Wow, c'est abusé, touc. Et on va le faire tomber là, voilà. Parce que après, non, là, là, il va pas pouvoir monter sur cette dalle. Parce que au-dessus de lui, il y a. Faut qu'il y ait deux blocs au-dessus de lui. Donc là, par exemple, il a un, deux blocs. Non, là, ça marcherait. Mais genre, on va pas prendre le risque. Et ensuite, il est censé tomber comme un caca. Du coup, c'est parti. On fait le test. On va juste faire ça au cas où. Mais en principe, pas de problème. Voilà. Voilà. Donc, il fait ses dashs. Par contre, il rentre dans les murs. Alors là, ça va pas le faire. Hein. Oula. Crève. On va réessayer. Ah, je sais ce qui se passe. Ok. C'est bon, les gars. Ne vous en faites pas. J'ai compris le problème. Tout simplement, j'ai mis en sorte à ce que, dès que devant lui, j'ai mis à 0,5. Si le bloc devant lui est de l'air. Juste devant lui. De 0,5. Si je mets 0,4, problème réglé. C'est aussi con que ça. Voilà. Il tombe. Hop. C'est faux. D'accord. Du coup, s'il rentre dans les murs, dans tous les cas, il va jamais réussir. On va mettre 0,1. Comme ça, il va s'arrêter juste devant le mur. Pas de problème. Du coup. Hop. J'ai compris. Du coup, en gros, ce qui se passe, c'est que ça, le bloc, il n'est pas que là, il est aussi là. Du coup, là, devant lui, il y a un bloc, du coup, il veut tourner, parce qu'il a peur du bloc. Problème, ça c'est sûr. Du coup, comment faire? Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que, tout simplement, il va avancer, et il va voir que devant lui, il y a une slab. Du coup... On va faire... En gros, je l'ai fait tourner... Ah, c'est là qui tourne, ouais. Si devant lui, à 0,5, il y a de l'air... Je vais mettre sauf si... On va pas le faire tourner... Si le bloc... Qui est... Alors, hashtag... Slobs... Voilà. On va pas le faire tourner si c'est une slab de type qui est égale à certainement pas double. Du coup, j'ai mis unless. Ouais, unless. Du coup, ouais, non, du coup, c'est. On va pas le faire tourner s'il est en bottom. Parce qu'il y a que celui-là en fait qui va capter parce que l'autre il est sur le bloc. Il est pas dessous. Ouais. Du coup, si le bloc qui est devant lui, on va mettre 0,5 comme l'autre, est une slab, et que ce n'est pas de l'air, enfin, si ce n'est pas une slab ni de l'air, et ben il va tourner. Problème certainement réglé, mais ça mérite un 2,1. Très clairement. Alors. Tout. Ouais, non, là, vous voyez, il y a des fois, je me dis que je comprends pas tout ce qui se passe dans ma vie. Ah ouais, non, là, par contre, là, je vois franchement pas pourquoi il avance pas. Il avance, en principe, si le bloc... Attends, mais là, il est dans un bloc. Il n'était pas censé tomber du bloc. Puisque, en principe, il est TP si le bloc qui est juste devant lui est de l'air. Il est TP. Sauf si le bloc... Juste en dessous, derrière lui, et de l'air. Ouais, c'est ça. Voilà. Et le bloc en dessous, derrière lui, n'est pas de l'air, et le bloc devant lui est de l'air. Ouais, oui. Donne-moi raison. Non ! Va te faire... Mais d'où il a tourné? Mais il est buggé cette fois-là. Espérons que c'était le serveur. Voilà, là il tombe. Bah au bon endroit pourtant. On va lui mettre une dalle. Sauf que je peux pas lui mettre de dalle. Mon dieu. On va la mettre là la dalle. Hein.
Vous savez quoi? Ah ouais, non, là par contre, c'est un délire là qui fait. Meurt. Mais. Par contre, pour le tuer, je vous dis, c'est pas facile. Du coup, c'est très long, c'est très saoulant. Sauf si le bloc. Attends, non, c'est quand je le fais tourner. Pourquoi il a tourné? Alors que. Si le. Je le fais tourner, si le bloc devant lui. N'est pas une slab de type bottom. J'ai enlevé le type bottom en fait. Parce que comme ça, problème réglé peut-être. Ah, mais il est passé où le bouton? Les boutons, ça pose problème, hein, par contre. Ça, vous l'avez vu. Alors, la question, c'est pourquoi qu'il ne l'a pas fait avancer. Voilà, là, tu vas avancer comme un. Il est con. Ouais. Ouais, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Et tu tombes. Ouais, là par contre c'est le serveur. Ouais, là le serveur il aime pas. Ou alors c'est ma connexion, mais là ça apprécie pas trop. De votre côté, en principe, c'est censé être un minimum plus fluide. Du coup, le problème c'est les boutons. Les boutons, ça pose problème. La question est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il n'avance plus? Quand le bloc. Vous savez quoi, j'ai la flemme de regarder. Si je le mets là, ça posera encore plus problème. Donc évitez de mettre des boutons chez vous si vous utilisez ce petit cobaye. Voilà, il tombe. Ensuite là, il fait ses dash. Non, si, c'est le serveur. Dash, vas-y, je t'en prie. Dash, 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 dash. Non. Vas-y, avance! J'ai peur qu'en fait ce soit pas problème du serveur là. Vous voyez? Mais je vois pas pourquoi ce serait un problème autre que le serveur parce que bah, il est censé pouvoir avancer à chaque fois là. Voir s'il sort de là. Est-ce qu'il va avancer plus rapidement tout d'un coup? Genre, si je casse ça et ça. Non. Et si par contre. Si par hasard. Ouais, pourtant il descend vite. Ouais. Ah. Vous avez peut-être vu le message de Lucky qui me dit lag beaucoup. C'est bien le serveur qu'il aime pas. Soit il aime pas mon petit bonhomme. Soit c'est juste que bah il est dans une période de crise. Tout le monde a ce genre de période. Oh! Ah bah non, ça rebug. Bon, au pire, vous savez que ça marche. Vous pouvez regarder de là. Vous le voyez qui monte. Voilà. Oh voilà, vous voyez là, il bug pas du tout. Ça veut dire qu'il marche. Il peut tomber, il ne peut pas marcher sur les plaques de pression. Vous pouvez entourer, vous pouvez lui faire une cabane en plaque de pression, il pourra pas monter dessus. Vous pouvez, il pourra sauter sur les demi-dalles. Exemple. Attends, vous savez quoi? Pour une fois, je vais faire avec une autre demi-dalle pour vous montrer que ça marche. La demi-dalle en chaîne. Voilà, il peut monter sur la demi-dalle et passer de l'autre côté. Et on va lui faire sa petite. Ah, Lucafi en veut un. Ça veut dire que ça va faire des ventes. Et vous avez peut-être vu. Attends, est-ce qu'il peut passer là? Non, voilà. Vous pouvez lui faire un enclos en plaque de pression. Parce qu'en fait, il a peur des plaques de pression. La nuit, il fait des cauchemars sur les plaques de pression. Du coup, bah, il va jamais marcher sur une plaque de pression. Il sait pas ce qu'il y a en dessous. Peut-être qu'il y a un slash kill. Bah ouais. C'est très intelligent de sa part, je trouve. Voilà, on va tout péter. Bon, on arrive à la fin de la vidéo. Et au final, bah, la vidéo, elle aura été en une seule vidéo. Sauf si je vois qu'au montage, ma vidéo est trop longue. Coucou. Si je vois que la vidéo est trop longue, ce que je vais faire, c'est tout simplement que bah, je vais la découper en deux, mais en principe, elle tient en une seule. Ouais, je pourrais peut-être lui faire. Ouais, non, là, ça devient abusé.
Voilà. Ouais, voilà, il peut porter des objets. Vous pouvez voir. On peut lui donner un. Voilà. Il peut. Après, on pourra peut-être essayer de faire. Ouais, non, après, ça va être abusé si j'essaie de faire ça. Voilà. Bon, du coup. Bah, si vous avez des suggestions d'amélioration que je pourrais faire aux petits cobayes, mettez-les moi dans les commentaires. En principe, je suis censé les faire, sauf si c'est vraiment une idée toute pourrie. Et bah, on arrive à la fin de la vidéo. Ouais, vous pouvez lui mettre des côtes de maille aussi et tout. Enfin, pas que des côtes de maille, vous pouvez l'habiller comme vous voulez. Du coup. Bah, les commandes sont dans la description, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre mes deux serveurs Discord, celui de Labotron et celui de ma chaîne YouTube. Bah moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut les amis.